L'Agence des Nations Unies pour le climat a publié un nouveau projet d'accord pour la COP28 qui comprend des options pour une élimination historique des combustibles fossiles. Cette publication intervient après que les Émirats arabes unis, pays hôte de la conférence, ont exhorté les délégués de près de 200 nations à mettre de côté leurs divergences pour parvenir à un accord avant mardi prochain. Au moins 80 pays appellent à la fin de l'utilisation des combustibles fossiles, alors que les scientifiques appellent à une action ambitieuse pour prévenir les pires impacts du changement climatique. Cependant, le projet se heurte à la résistance de nombreux pays en développement qui hésitent à s'engager dans une élimination progressive, en particulier ceux qui dépendent des combustibles fossiles. Alors qu'une grande partie du continent africain est privée d'électricité, l'Union africaine affirme qu'elle donne la priorité à l'accès à l'énergie plutôt qu'à la transition.